Alors Jess, deuxième sortie paddle. Putain, le gars il est stock. Laisse tomber. Qu'est-ce qui te rebute le plus dans le paddle pour l'instant? Dans le fait quoi, devoir dire qu'on doit chier pour aller dans un jardin pour pas se faire choper quoi. Voilà, et la deuxième? Le putain de gonflable. Ouais, putain ouais c'est vrai, c'est la folie ça. Bon, en gros, le problème qu'on a c'est vraiment le spot, l'endroit. Là c'est un lac, donc apparemment il y a que les planchistes, les pédalos, tout ça qui sont autorisés. Voilà, donc nous on s'est trouvé un petit endroit ici là pour passer. Donc on va ramener les affaires. On va chercher Liu, on saute dedans. Et on verra bien. Et on verra bien si ça passe. Et le deuxième point négatif, c'est vrai que pomper. Moi j'avais fait le choix de prendre la pompe. Pour me dire ouais au moins ça t'échauffe et tout. Mais c'est vrai que je perds vite du temps, entre 10 et 10 bonnes minutes. Donc voilà. Bon, Jess, t'es prêt? Excellent. Je ramène les affaires et puis le lac il est immense. Immense. Le lac est à nous. Le lac est à nous. Donc c'est bien. Bon, mon petit Jess. Les petites lunettes. Je vais mon portable direct dans le truc étanche comme ça. Pour faire le professionnel. Jesse en mode. On dirait pas un gars du. Putain, de Call of Duty là. Prêt à en découdre. Avec le petit tatouage là. Tribal. Tribal, toute ma gueule quoi. C'est quoi un maori? Non, tibétain. Tibétain. Ah ouais, c'est vrai, t'es chauve. En fait, c'est un moine. Miche, un moine. C'est quoi ton astuce du jour, Jessie? Petite pochette étanche. Voilà. Avec ça, on économise 600 euros. Ouais. Ouais. Sauf. Sauf si ton nolo. Sauf si tu perds la pochette étanche. Mais bon. C'est-à-dire que... Normalement, ça devrait aller. T'es un professionnel du paddle. Chaînette. 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 Jessie, c'est comme le gars qui achète des nouvelles pompes. Il marche, il se la pète. Et sous ses semelles, il y a l'étiquette. Ça reste neuf. Ça reste neuf. En fait, tu voulais juste faire des sorties et retourner avec la plan. Elle revient, bon, regardez. C'est dingue. Voilà, donc, ici, la spot de là. Petit sac étanche. Voilà, pour la rando. Et la petite Liu. Liu, tu montes? Pat. Voilà, et le petit gilet pratique pour Liu. Tu veux quoi? Tu passes en premier? Ah ouais, tiens. Hein? Ouais, vas-y, ouais. Yo, en avant, monte. Monte. Allez, monte. Monte. Oui, en avant. Oui, en avant. Allez, monte. Encore. Encore. Monte. Oui. Pas bouger. C'est bien, belle. Ok, viens. Elle est bonne? Les pieds sont jusque là. Bonjour. Bonjour. Ça va aller? Bonjour. Bonjour. Ouais, trop bonne, par contre, c'est rien ça. Il y a un kilo de terre surtout. Ouais. Elle te pousse, mec. Jessie en mode machine. Ah pourquoi je te fais un de ces travelling en fait sur l'eau? J'avance depuis tout à l'heure. Ouais, c'est pas un one leg. Vas-y, vas-y, va essayer gros. Vas-y, Justin. Comme Justin Bridou. Viens, on se met des défis gros. Ouais, c'est pas un jardin, ça s'appelle un potager gros. Si, on fait des défis. Voilà, et ça c'est vraiment... une petite partie, donc on est parti de là-bas
Et là, on va essayer de se cantonner ici parce qu'on n'a pas vraiment d'autorisation. Mais on va se mettre des petits défis sympas avec Jessy. Et on va kiffer. Hein, Liu ? L'essentiel, c'est que Liu, elle nage, elle se fasse plaisir. Voilà. Allez, à tout de suite. Moi, oh, il a pas tenu, moi. Non. Non, la colle, elle a pas tenu. Ah, il y avait un beau berger allemand gris. Il est parti. Bon, moi, je dis, on fait tout le tour, non? Let's go. De toute façon, bon, après, si tu veux rester là, faire des tours et tout, tu vois. Moi, ça me dérange pas, tu vois. Il doit y avoir une paire. Ouais, on va mettre la montre, on verra bien. Vas-y. Après, là on sera à contre-courant pour revenir par contre. Tu vois ? Je pense. Vas-y, on longe à gauche là-bas. Et qu'on est venu juste pour faire un petit rond. C'est là. Bon, allez, c'est parti. Voilà. On va aller là, faire tout le tour. Aller jusqu'aux planches à voile là-bas, le plus loin possible et revenir tranquille. De toute façon, maintenant qu'on est là, on est là. Fais un salto, Jest, comme tu m'as montré tout à l'heure. Attends, 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 non, je suis pas prêt. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, c'est bon. Faut le faire deux fois parce que j'ai mal à ma jambe là. Ah, excuse-moi. Ouais, c'est pas grave, je le refais demain. Demain, ouais, je suis là. Ouais. Et c'est dans l'autre sens. Hein. Le gars, il va se faire bouffer par un berger allemand. Ils font de la voile et il y a Jessy, le seul et l'unique machine. Et la petite Liu qui fait sa vie tranquillement. Franchement, le spot il défonce au calme. Les petits canards. Alors, Liu, il y a une branche là-bas. Il y a des petits canards. Je sais pas si vous les voyez. Franchement, c'est la meilleure activité. Avec son chien. Franchement, c'est top. Ah non, ben. Non, non, tu restes là, tu restes là. Tu viens à peine de descendre. Okay. Non, 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 non. Allez. Hop. Oh, attention à la branche. Yo, non, non. Encore. Tu reviens après. Voilà. Franchement. Ah, il y a une branche, ma belle. Voilà. Franchement, c'est une des meilleures activités. Après, il faut bien sûr avoir le temps et les spots. Donc là, avec Jessy, on est vraiment en train d'essayer de retrouver des, de trouver des spots où on soit vraiment pas embêté, où on n'a pas la crainte à chaque fois d'embêter soit des gens, soit de se prendre une prune. Voilà, parce que c'est pas le but, hein. Le but c'est de se faire plaisir et puis on n'est pas Crésus quoi. Je pense qu'on paye déjà tous assez d'impôts pour en rajouter. Donc là c'est vraiment le but, c'est de se faire plaisir. Liu, elle adore ça, elle se muscle. Et bien, parce que là de ce temps là, il n'y a pas grand chose à faire pour un chien. À part marcher, dès que le chien il va courir, il va être proche du coup de chaleur où il faut vachement réduire. Donc là c'est pour ça. Elle fait son sport, dans le plaisir. Et aussi, voilà. Donc, je sais pas si je vous ai déjà dit de faire super attention. C'est quand vous partez en paddle, toujours partir face au vent. Donc face à la marée ou aux vagues. Là, nous, on n'a pas eu le choix. Parce qu'on est parti de là-bas. Donc on sait qu'on va revenir à contre-courant. Donc on sait qu'on a le potentiel pour revenir. Mais c'est un truc... Faut pas hésiter à faire attention. C'est un truc, comme je dis, il faut faire attention parce que si vous faites 5 km avec le vent dans le dos et c'est super facile et puis vous rendez compte qu'au final quand vous faites demi-tour, c'est très très dur. Donc c'est pour ça. C'est les choses auxquelles il faut faire. C'est les choses auxquelles il faut faire super attention. Liu !
Tu viens? Voilà. Non, franchement, c'est posé. L'endroit, il est superbe. Donc, voilà. Allez, je vous laisse. On va profiter. Hey, gros, ça te fait quoi d'avoir un vrai chien? Le bâtard. Oh, elle est belle, ma fifi. Activité, mec. De loin. Bah après, je parle du domaine du chien. Je parle pas de uniquement. Je parle vraiment de l'activité canine chien, tu vois. Pour moi, c'est la meilleure, tu vois. Parce que regarde, tu peux sauter dans l'eau, ton chien il kiffe, tu vois. Il n'y a pas très beaucoup de contraintes physiques pour lui, tu vois. Yo, tu sautes, saute, saute. Hey. Et Jess, mets-toi. Fais. Allez, défi pour toi. Mets-toi debout. Liu, viens. Allez, debout. Sur un pied. Liu, non, hein. Liu, non. Non. Tes lunettes. Tu vas devoir faire l'équerre, c'est-à-dire tu mets tes deux mains sur le paddle et tu viens mettre ta tête sur le paddle et tu lèves tes jambes vers le ciel. Non mais gros, un petit défi. Bah, c'est un petit défi, je suis désolé. Hey, je suis désolé, défi. Chacun son haut niveau. Son défi c'était genre lever une jambe. C'est, moi, là, bah, c'est comme ça. Et lever, donc je mets mes mains sur... Là tu dois te mettre sur la tête sur le paddle avec tes mains en l'air et tu dois tenir au moins 5 secondes. Et bien droit hein, en chandelle hein. Tu démerdes, tu dois le faire. Je sais même pas le faire sur la tête. Allez, vas-y. Sinon tu le fais sur la tête, hein. Tu fais un ATR quoi. Je sais pas faire un ATR. Bah mets-toi debout. Tu vas devoir te mettre sur une jambe en te mettant droit, tu sais, genre comme... comme au yoga là. En gros tu vas devoir te mettre sur une jambe, pencher ton buste en avant, il faut que ton, tu sois aligné complètement tu vois. Je comprends pourquoi t'es tombé. Allez, allez, penche-toi au buste en avant, encore, encore, mets tes mains devant, tes mains vers l'avant. Ouais, allez, belle, bien joué. J'avoue, elle est belle. Thank you.
Yo, saute. Allez, va. Allez, va, va. Mais non, pas sur moi. Une fois que t'es sorti de l'eau. Ouais. Bon, du coup, voilà. On est arrivé au bout. On est arrivé à ce niveau-là. Après, il y a un grillage. Au moins, ça permet de s'asseoir vite fait. Et c'est plutôt pas mal. Donc là, on va se taper combien de kilomètres, t'as dit, Jess? 3 kilomètres. Bon, entre 2,5 et 3. Allez, on va arrondir à 2,5. Et on vous dira combien on a fait. Donc là, contre-courant. Donc, bon, ça devrait aller. Pour Liu, elle va alterner. Voilà. Ah, franchement, le paddle, ça démonte. Tu te mets des petits défis comme ça et tout, t'es trop bien, tu vois. C'est bon enfant. Tu tapes des bonnes barres. Oh, Jess. En plus, en vrai, elle est bonne. Ouais, ouais, elle est bonne. Elle est dégueulasse, mais elle est bonne. En fait, c'est, je suis sûr, tu marchais, tu sautais dedans, t'étais gelé. Mais là, le fait que t'es au paddle, t'es, en fait, ton esprit, il est genre. Tu sais que ça peut arriver déjà, et puis tu sais que c'est. C'est comment le Pokémon à quoi là? Bizarre. Bizarre, c'est celui qui mange de l'herbe. Aquaman, gros. Aquaman, c'est pas un Pokémon ça. Allez, allez. Combien de temps là? Il est 16h24. Est-ce qu'on fait un truc genre on taille le plus rapide possible? On était à 36 minutes sur l'allée, mais on a pris notre temps. Vas-y, bah le plus rapide possible, je vais monter des you. Et puis voilà, c'est pas. On est parti de là-bas. Là, on a contre-courant, Liu, elle est là, elle a pas une fois seulement, pas une seule fois réclamé pour monter, c'est une machine. Franchement, elle trace. Oh là là, on est à mi-chemin, finalement on fait pas au plus rapide parce que Liu elle a la gouache donc on voit son rythme. Mais là, petit défi pour Jesse, il doit sauter les deux pieds en l'air. Ah non. Comme j'ai fait tout à l'heure, j'ai touché mes genoux moi. Vous étiez pas là, c'était formidable. Le bâtard. Un autre. Si, on a dit que... Allez gros, mets-toi sur les mains, comme tu m'as dit, essaye. Tu sais, tu mets tes mains et tu dois faire je sais pas quoi là. Lui, il est costaud lui. Jess, il fait du... Wow. Hey, je suis sûr que tu arrives, ouais. Ouais, t'étais bien parti, mec. T'étais bien parti. Ah, bah, c'est tout, c'est bien. Putain, il est pas tombé dans le piège. Putain, t'es vraiment pas cop. Hein. Putain, ça marche. Vas-y, mets l'assise. Eh, hey, je peux te faire une belle foot. Attends, ma gueule, il part. Attends, toi, quand tu veux. Ah non, parce que ça va tourner. Vas-y, je suis sûr que t'es comme ça. Léo, assis. Ah si. Ah non, saute. Ah non, saute. Vas-y, essaye. Ah, le bâtard. Bon, voilà, finito. On a bien kiffé, on vous a pas trop montré le retour parce qu'il y avait les vagues et tout, on a fait un peu les cons. À la base, on s'était dit on rentre le plus vite possible. Au final, on a suivi Liu, on a préféré suivre son rythme, elle avait un bon rythme. A pratiquement fait tout le retour. Donc voilà. Là au petit rangement. Et voilà. Regardez Jesse là. Il est rincé. Rincé. T'es tombé combien de fois dans l'eau? J'avais plus même plus compté au bout de. Au bout de 3. Au bout de 3. La plus belle c'est laquelle? Est-ce que la plus belle c'est. La première moi aussi. La... Que... Ouais, la première c'est la plus belle parce que personne s'y attendait, tu vois. Après, la plus technique, c'est celle avec Liu.
Où t'es tombé dans le panneau, mec. Ah putain.